J'enregistre. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmani Rahim. Maliki yawmi din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà. Et quand je lisais ça, tu t'es rendu compte les I et les A, les I et les A, n'est-ce pas? Quand je dis I, quand tu entends un I, ça veut dire tu vas voir la lettre là en bas. La voyelle sera en bas. Quand tu entends un A, la voyelle est en haut. Quand tu entends un OU, tu entends ça en haut. Okay? Bien. Hier, la dernière lettre qu'on a lue, je sais bien, cette lettre là, c'est, on va retourner sur cette lettre là. Là qu'on a la lettre ba, on va réviser avant qu'on avance à la prochaine lettre, ok? Attends, je vais mettre le timer avant que ça soit trop tard. Voilà. Et on va se rappeler, tout ça c'est la lettre B, ok? Ici, la lettre B, on lui donne le son A, et ici, on lui donne le son I. Ok, allez-y, Babi. Okay? Ici, on lui donne le son OU et on lui donne le son A. Comment on dit? Bouba. Ici, on lui donne le son A, mais j'ai oublié de mettre le A ici. Mais parce que Alif, si Alif vient, c'est de facto, par A ou B, ça ne peut être qu'un A ici. Okay? Mais le A, il est long. Et ici, j'ai donné un son OUN. Ok, ça sera BA. Baboun, ok? Si, je l'ai donné. Tu sais, que tu te rappelles, je faisais ces deux trucs-là, hein, ces deux trucs. Bon, maintenant, j'utilise un ordinateur pour faire ça, je ne fais pas moi-même, mais l'ordinateur, quand tu vois ce petit V-là, qui a l'air d'un petit V, ça veut dire que c'est cette lettre-là, W, qui est doublée, ok? Okay? On a changé maintenant. Ça, c'est baboun, ok? Et ici, on a babou bin et bin bin. Bi, la lettre est longue. On amène le canard pour rendre ça long. On a bou boun. Ok, comme ici, le boun, tu le vois ici. Okay? Et attends, je vais amener un truc pour rendre ça beaucoup plus facile à voir. Point de laser. Et tu vois ça, ok? Okay. Ici, on a bou, bou. Okay. Et ça, on a ba, bi. Ba, bi. Ok? Et là, on a bou, bi. Bou, bi. Ok? Ça, bou, tu sais, ça s'appelle le waou qu'on a amené, waou kai, qu'on a amené pour rendre le son ou long. Et ici, on a amené le canard pour rendre le son i très long. Ok? Now, ici, on a la lettre est doublée. La lettre B est doublée. Ça, c'est alif. On lui donne le son A. Et ça, c'est la lettre ba. On lui donne le son A, mais la lettre est doublée. On va dire abba. Abba. Ok? Abba. Okay. Si tu t'es rendu compte que l'alif doit avoir le trait pour donner le son A, je ne l'ai pas mis. Par default, quand tu vois le petit Hamza au-dessus de ça, ça ne peut être que la lettre A, la lettre OU. Bon, donc tu pouvais bien lire ça OUBA, mais comme tu pouvais bien lire ça ABBA. Ok? ABBA. Ok? Ici, okay. Ça c'est BA. La lettre est là. Oui? Ça, ABOU. ABOU. Le trait là que j'ai raté ici, je l'ai ramené ici. Okay? C'est Abi. Celui-là, Abi. Bou,
Ouais, non, non, non. Boun, boun. Boun, ok. Boun, boun, ok. Voilà. On va avancer sur la prochaine lettre. La prochaine lettre, c'est... Voilà, c'est la lettre K. La lettre qui se rapproche de cette lettre-là le plus dans le cadre du français, c'est la lettre K. La lettre T. C'est celle-là qui se rapproche. Et elles ne sont pas quand en français dit un ta, ta porte, un arabe dira ta porte, mais ça, il ne mettra pas la langue exactement la même chose. Mais c'est le seul mot qui se rapproche de ta. On ne peut pas trouver un autre mot qui se rapproche de celui-là. Donc c'est ta. OK? Comment on le lit? Comment on lit ce mot-là? Attends, je vais te dire. Comment les Arabes le lisent? Où est mon truc? Gardez une vidéo là pour toi. Je t'ai envoyé. Où est-ce qu'elle est? C'est pas celle-là. Attends, je trouve cette vidéo, ok? J'ai enregistré ça hier pour que tu vois. Pas celle-là. Oui, je trouve cette vidéo. J'ai bien gardé ça hier. Où est-ce qu'elle est? Non, elle n'est pas là. J'ai trouvé cette vidéo. Ici. Ok, elle doit être là. Ok. Voilà. La vidéo est là, je l'amène ici. Et les Arabes, le K, comment ils vont le dire? Écoute bien, je vais jouer, je vais mettre le volume à fond pour que tu puisses l'entendre. Envoyez cette vidéo-là le matin pour que tu essaies de voir, de l'écouter au fond. Où est-ce qu'il met? Tu as vu le K? Oui, il sort de ça, hein? Il sort ici. K. Et ça, c'est la deuxième lettre. Le K. Mais ce temps-là, regarde où est-ce qu'il sort. Où est-ce qu'il sort? Ici, hein? Le ta, 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 ta. Tu as vu mettre sa langue aussi, met sa langue, n'est-ce pas? OK, voilà. Donc, okay. Donc cette vidéo-là, je t'ai envoyé ça. Tu écoutes ça. Ta, ta, tu regardes où est-ce qu'il met la langue. Ta. Mais essaye de rapprocher du mot français. Y a pas, tu ne peux pas trouver mieux que ça. OK? OK. Cette lettre ta, regarde ici. Quand elle commence au mot, on l'écrit comme ça. Et le mot qui vient s'attacher ici. L'autre consonne ou voyelle qui vient s'attache ici. Et quand il est au milieu du mot, la lettre qui est bien avant elle s'attache ici et elle se présente comme ça. Et la lettre qui vient s'attacher après elle, ça vient ici. Donc quand tu la regardes, tu ne vois qu'un seul trait debout avec deux. Bien. Deux points. Okay? Et quand elle est à la fin du mot, la lettre qui vient s'attacher à elle s'attache ici, et celle-là vient se mettre à la fin. Elle ressemble exactement comme ça. Okay? Ta. Ta. Okay? Yeah. On avance to the next one. On va maintenant lire. Regarde, d'où est-ce qu'elle vient? Je te fais, où est-ce qu'ils font ça? La lettre ta, tu as vu? D'où est-ce qu'ils nous disent qu'ils sortent? C'est là. Ils disent que la langue doit toucher la voilà. Cette lettre, la voilà. Oui, il vient, ça doit venir jusqu'ici, il dit ta, ta. Okay? Et c'est parti, la langue. Ta. Voilà. On avance, c'est l'excellent. Maintenant, on va lire la lecture. Okay? On va faire ceci. Comme on connaît la chanson, ta, ti, tu, tan. Tin, tun, ta, ti, tu, la lettre silencieuse, ok? Et quand elle est silencieuse, tu vois le truc là, au zéro, au-dessus de ça. Je vais lire la chanson comme on l'a appris à Moulin. Il faut lire ça exactement la même chose. Eh? Ta, ti, tu. Tan tin tun. Ta ti. Ta ti tu. Tan tin tun. Ta ti. At.
One more time. Or in more in the in, so in the deuxième fois. Ta ti tu. Tan tin tun. Ta ti tu. At. Et ici, quand la lettre est doublée, on écrit avec le W au-dessus de ça. Et que si la lettre est doublée avec un A, on met le tiré dessus. Si la lettre est doublée avec un I, à ti, ça va, le ti va se mettre là, le I va se mettre là. Mais des fois, on le met au-dessus du W, ok? Donc, si tu vois ça, tu te dis que c'est I, ok? S'il est doublé avec un OU, on mettra le OU ici au-dessus, ok? Ok. Donc, maintenant, on va aller faire la lecture. La lecture va arriver, ok? Ici, j'ai combiné la lettre ba qu'on a étudiée et la lettre ta. Ici, c'est la lettre ta, on a donné le son a, et ici, c'est la lettre b, on a donné le son i. Et le son i, ok? Now, comment on va lire ça? On va lire ta bi. Ok? Ta bi, ok? Ok? Et cette hier, ok? Ici, on a la lettre ta, la lettre ta, la lettre T, c'est la lettre B, c'est la lettre T, on l'a donné le son U, et la lettre B, on l'a donné le son A. Donc, ça sera tout bas, ok? Et ici, la lettre A, T, la lettre T, on l'a donné le son A, et il est long, ok? Et ici, la lettre B, on l'a donné le son U, ça sera ta, boum, ok? Si la lettre B, la lettre B, et on a une autre lettre B ici, et on a une lettre B, T, ok? La lettre première, oui, la lettre première lettre, on l'a donné le son A, la deuxième, on l'a donné, la lettre B, on l'a donné le son U, et la lettre T, on l'a donné le son IN, ok? IN, ici, here, IN, ok? Ok, ok, ok. Ça sera TABOUTIN. In, yeah, boutin, ta boutin, ok? Ici, in. Ici, c'est la lettre T. T qui a toujours deux, je dis toujours T, T a deux points, deux points sur le dessus, ok? On remember ça. On a vu B à un point en bas. T, tout, à j'appelle ça tout. T, de la lettre T, il a deux points au-dessus, ok? En haut, ok? Au-dessus, ok? Now, on a la lettre T, on lui a donné le son IN. On a la lettre B, on lui a donné le son IN. Qu'est-ce qu'on dit? IN, BIN. Good, ça c'est bien, ok? Ici, on a la lettre T, on l'a donné, la lettre, on l'appelle TA, son I, donc. Ti. Oui. OK. On a la lettre B. On l'a donné le son OU. OK. Lettre T. On l'a donné le son OUN. Ça sera BOUTOUN. 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 Voilà. OK. Ici, la lettre, c'est la lettre T. On l'a donné le son OU. On l'a donné le son OU. Et un ou long, ok? Ok? Si on a la lettre B, ok? Ou ba, on appelle ça ba, on a donné le son ou, et il est, le son ou, il est très long. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle tout ou. Ok? Tout bou, ok? La lettre B, on a donné le son A. La lettre T, on l'a donné le son, n'est-ce pas? Ok? Et un I qui est long. On aura TI. Ok? Le bas, il est short. Ba, TI. Ba, TI. Ok? Et ici, on a le son, on a la lettre T, on l'a donné le son U qui est long. N'est-ce pas? Mm-hmm. Et ici, on a le son T, on l'a donné le son I qui est long. Ok? On lisait tout ti. Ok?
Tutti. OK? Alors, ici, on a le son, on a la lettre A, Alif, on a donné le son A. Et ça, c'est la lettre T, on l'a donné le. Il est doublé. Il est doublé. La lettre T est doublée et on l'a donné le son A. N'est-ce pas? Et ça sera Atta. 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 Yes. Tu dis le silence que tu as fait, ou tu fais un petit silence et dis ta pour montrer que la lettre est doublée, ok? Ta. Voilà. Et ici, c'est la lettre T. On a donné le son. Et il est long. Ça sera ta. Ok? Yes. Ok? Ici, c'est la lettre A, Alif. Il a donné le son A. Et ici, c'est la lettre T. Il est doublé. Elle est doublée. Et on a donné le son ou qui est long. La lettre T, elle est doublée. On lui a donné le son ou qui est long. Ça sera à tout. À tout. Je fais le. Voilà, tu as bien fait le bon silence. À tout. Ah. OK, here. La même chose. Exactement la même chose. Except qu'on a donné le son I qui est long. Ça sera à ti. Ti. OK. Et ici, c'est la lettre ta. On lui a donné le son a. Et la lettre b, ba, on lui a donné le son un, b qui est doublé. La lettre est doublée, n'est-ce pas? Et on lui a donné le son un. Ça sera tab, boum. Tab, boum. Tab, boum. Ici, tab. La lettre b est doublée. Hein? Tab. Et on lui a donné le son un. Okay. Ça c'est tap boum. Tap boum. OK, on va lire. Je vais lire et tu vas lire après moi, hein? OK? Ta bi. Tout bas. Ta boum. Ba bou tin. Tin bin. Ti. Tu. Bu tun. Voilà. Tu. Bu. Ba, ba, ti. Tu, ti. Ti. Voilà. Very good, very good. Et maintenant, on va aller faire une révision, petite révision. La prochaine lettre qu'on va étudier, ça sera, est-ce que je l'ai mis? Ça sera la lettre Fa. Et on met, avant de faire ça, on va retourner au début. Et on va lire un tout petit peu encore, okay? Pour se rappeler. On a quelques minutes pour terminer. Okay? Ça, c'est la lettre B qu'on a vue, n'est-ce pas? Okay? La lettre B, on l'appelle, les Arabes, ils appellent ça Ba. Okay? Elle est au début du mot, elle se comporte comme ça. Au milieu du mot, elle se comporte comme ça. Et à la fin du mot, elle se comporte comme ça. Okay? Et elle sortira de ta bouche. Au bout des lèvres. C'est là où ils ont mis ça, au bout des lèvres. On avance. Now here, on va aller, on va lire.
Ba, bi, bou. Ban, bin, boun. Ba, bi, bou, ab. La lettre doublée, elle est comme ça, n'est-ce pas? Regarde ça. Bien, on avance encore. La prochaine one. Prochaine. Bien, on va lire. Quand je lis, tu répètes, OK? Ba, bi. Ou ba. Ba, boum. Ba, bou, bin. Bin, bin. Bi, bou, bun. Bou, bou. Ba, bi. Bou, bi. Ab, ba. Ba. Abou. Abi. Bun, bun. Et encore, on va aller à la lettre. La deuxième lettre qu'on a étudiée aujourd'hui, c'est ta. La voilà. Au début du mot, elle se comporte comme ça. Au milieu du mot, elle sort comme petit point comme ça. Et à la fin du mot, elle se comporte comme ça. Et si on avance, et elle sortira de la bouche de l'individu, la lettre ta. Ils disent que ça sortira, que tu mettras ta langue ici à peu près. Ta. Ta, au-dessus de ta. Oui, voilà, de ta. Voilà. Et on va la lire. J'ai dit, tu répétais. Tatitou. Tan, tin, tun. Tatitou. At. La lettre est doublée, elle est comme ça, ok? On dit, je me rappelle, ça c'est une chanson, il faut toujours la réciter. Ta-ti-tu, ta-ni-ti-ni-tun, ta-ti-tu, at-ba-bi-bu, ban-bin-bun, ba-bi-bu, ab, la-li-lu, lan-lin-lun, la-li-lu, ma-mi-mu, man-mun-mun, ma-mi-mu, am, ok? Ça, tu fais une chanson, n'importe quelle lettre que tu prends. Nani, nous. Ok? Tu prends n'importe quelle lettre. Tu vois, tu chantes ça quand tu fais. Et ça, ok, on fait, on va à la prochaine. On va, combien de minutes il nous reste? 2 minutes, 3 minutes, ok? Ok, on va arrêter ici la lecture. Ça, c'est la combinaison de 2 lettres, n'est-ce pas? Alors, ça va, c'est. Ta-ta-bi-li. Tout bas. Ta-boum. Ba-bou-tin. Tin-bin. Ti. Boutoun. Bou. Non, non, sorry. Attends. Tout. Non, je me suis trompé. Tout. Bou. Bâti. Touti.
Ta. Ta. Atout. Ati. Ta. Boum. Allez, il faut couper. Tap, boum. Dès que la lettre est doublée, tap. Voilà, juste que tu as tap, boum. Voilà, let's go to the next one. La prochaine lettre est ça, ok? La lettre ça. Attends, je regarde l'enregistrement. Il nous reste 4 minutes dans l'enregistrement. On aura le temps de terminer. Okay? La retirer. Les consonnes, ok? Ça, la troisième lettre qu'on étudie, c'est ça, ok? Elle se comporte comme ça au début. Et ça, c'est le ça, en anglais, quand tu dis the book, the, voilà où tu mets ta langue, c'est là où tu dois la mettre. En français, ils n'ont pas cette langue, ils n'ont pas ce mot-là, ils n'ont pas ça. Essaie d'imiter. Les Anglais, ils ont ça. Ça, un petit peu. C'est celui qui se rapproche de ça. Il y a certains mots, les Anglais n'en ont pas du tout. Donc, on va essayer de faire. Okay. Ça, elle se comporte comme ça au milieu. Elle se comporte comme ça. Quand tu vois une lettre au milieu de deux lettres là, qui fait comme ça avec trois points, ça dit toi que c'est ça. C'est la même chose quand tu la vois à la fin de la lettre. Okay? Et quand on va commencer à lire, essaie de regarder comment il se comporte. Okay? Lire maintenant, oh non, attends, je vais te dire, voici ouais, ce que ça va sortir de la bouche. On dit que ça va sortir de ça, hein? Tu as vu là où il est? Il dit que ça va sortir, il faut mettre la langue ici. Tu as vu comment en anglais, hein? Tu mets la langue sur le sur, dessus, tu dis ça, ok? Ok. On avance. Lire. Ta, si, sou. Tan, sin, sun. Ta, i, tu, as. Ta, si, tu, sam, sum, sing, ta, si, tu, as. Essaye de si, essaye de chanter. Ta, si, tu, sam, sing, sum, ta, sum, ta, si, tu, Oh, tu as bien ça, tu as bien dit ça. Ok, malheureusement, quand on sonne, on sort pas. On sort plus quand la mine va t'aider à régler ton truc là. Ça va marcher, tu vas entendre ton son. Ok, non, maintenant c'est notre dernière lecture là. On termine, il nous reste quelques secondes. Ok, okay. On aura, nous reste combien de minutes il reste? Ouais, 1 minute. Ok, ta, oui, ta, si, tout, bas, sous, tout. Tout. Ça, c'est tout. Tout, bas, sous. Ta, boum. Bas, tout, tin. Bas, sous, tin. Tin. Ta, tin, bin. Ta, tin, bin. Bin. Non, non, bin, ok? Ta, tin, bin. Okay. Si. Bu, sun. Su, bu. Ta, ti. Ti, samti. Tu, su, ti. Assa. Ta, sun. Tu, si. Tu, ti, sun. Ati su. Su. Asun.